J'ai ouvert les yeux sur un meublé triste. Rue Monsieur le Prince, au quartier latin. Dans un milieu de chanteurs et d'artistes qui avaient un passé pas de lendemain, des gens merveilleux, un peu fantaisistes, qui parlaient le russe et puis l'arménien. Si mon père était chanteur d'opérette, nanti d'une voix que j'en vis encore, ma mère tenait des emplois de soubrette, et leurs troupes ne roulaient pas sur l'or. Mais ma sœur et moi étions à la fête, lotis dans un coin, derrière un décor. Tous ces comédiens chargés de famille, mais dont le français était hésitant, devaient accepter pour gagner leur vie le premier emploi qui était vacant. Conduire un taxi ou tirer l'aiguille, ça pouvait se faire avec un accent. Après le travail, les jours de semaine, ces acteurs frustrés répétaient longtemps pour le seul plaisir, un soir par quinzaine, de s'offrir l'oubli des soucis d'argent. Et crevé de trac en entrant en scène devant un public formé des migrants. Quand les fins de mois étaient difficiles, quand il faisait froid, que le pain manquait, on allait souvent honteux et fébrile au Mont de Piété, où l'on engageait un vieux samovar, des choses futiles, objets du passé auquel on tenait. On parlait de ceux morts près du Bosphore, on buvait à la vie, on buvait aux copains. Les femmes pleuraient, et jusqu'aux horreurs, les hommes chantaient quelques vieux refrains qui venaient de loin, du fond d'un folklore, où vivaient la mort, l'amour et le vin. Na na na, na na na, na 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 na. Nous avions toujours des amis à table. Le peu qu'on avait, on le partageait. Mes parents disaient, ce serait le diable si demain le ciel ne nous le rendait. Ce n'était pas là geste charitable, ils aimaient les autres et Dieu nous aidait. Tandis que devant poêles et casseroles, mon père cherchait sa situation. Jour et nuit, sous une lampe à pétrole, ma mère brodait pour les grandes maisons. Et nous, avant que d'aller à l'école,
faisions le ménage et les commissions. Ainsi j'ai grandi, sans contrainte aucune, me saoulant la nuit, travaillant le jour. Ma vie a connu diverses fortunes, j'ai frôlé la mort, j'ai trouvé l'amour. J'ai eu des enfants qui m'ont vu plus d'une fois, me souvenir, le cœur un peu lourd. Oui, monsieur le prince, au quartier latin, dans un milieu de chanteurs et d'artistes qui avaient un passé mais pas de lendemain, des gens merveilleux, un peu fantaisistes, qui parlaient le russe. Et puis l'Arménien.